Toujours dans tes projets d'organisation pour une grande manifestation. Oui. Mais c'est encore des projets dont on ne peut pas parler alors. Non, toujours pas. Et quand est-ce que tu penses que tu pourras nous raconter tout ça? Voilà, ça dépend de plein de choses. Déjà, on verra le 5 novembre. Le 5 novembre. Et toi, tu as remporté, tu as été première dauphine dans l'élection de Miss Ronde. Qu'est-ce que c'est le concept de Miss Ronde? Le concept de Miss Ronde, c'est une élection, une élection qui ressemble à j'ai envie de dire, un peu toutes les femmes. Parce que Ronde, c'est 6 kilos de plus que sa taille. Donc, c'est pas forcément trop obèse. 6 kilos de plus que sa taille, c'est pas énorme. Donc l'élection Miss Ronde, c'est une élection qui ressemble un peu plus aux femmes d'aujourd'hui, je trouve. C'est une façon de montrer que on est belle aussi, quoi. C'est pas parce qu'on fait un 30, on fait pas un 34, un 36, voire un 38, que nous, on n'est pas belle. Bah, surtout que les canons de la beauté ont beaucoup changé avec le temps, parce qu'à une époque, quand tu regardes les tableaux de Rubens, les canons de la beauté, c'était d'être plutôt enveloppé. C'était des belles plantes, hein. Voilà. Belles plantes grasses, comme elle dit ma mère. Et là, maintenant, c'est vrai que depuis une trentaine d'années, on en est arrivé à avoir des modèles filiformes, mais avant, c'était pas le cas, hein. Si on regarde il y a 30 ans que ça, bon... Donc la minceur, c'est un choix arbitraire. Est-ce que c'est vraiment la beauté quand on voit ces modèles qui sont squelettiques? Après, on ne juge pas qu'elles soient squelettiques ou pas, mais disons que ce n'est pas représentatif de la majorité des femmes. Non, ce n'est pas représentatif de la majorité des femmes. Aujourd'hui, il y a 50% des femmes qui font plus d'une taille 46. C'est énorme. Donc j'ai presque envie de dire, on est presque dans la normalité entre nous, alors après, sur l'élection de Miss Ronde, bien sûr, on a des filles qui font 6 kilos de plus que leur taille, comme on en a qui font 30 kilos de plus que leur taille, voire 40 kilos de plus que leur taille. Le principe, c'est de montrer qu'on peut être aussi belle. Voilà. Oui, et puis au-delà de la taille, vous êtes toutes des femmes, on est des femmes finalement. On est des femmes. Voilà, aussi. C'est ça. Aussi, et que tant qu'il n'y a pas de problème majeur de santé, je vois pas où est le souci à pas faire un 36-38, quoi. Bien sûr. Puis surtout qu'il y a des gens qui sont... ça peut être génétique, je veux dire. Voilà. Bon, écoute, ça va nous faire réfléchir sur la rondeur. C'est confortable aussi, la rondeur. Hein. Oui, ouais. C'est agréable. C'est agréable, exactement. C'est merci douillet et ça tient chaud l'hiver. Ah, bon, c'est très bien, merci.